my shepherd and for God to say nothing about it talks to me about the condescension of God. Comment on mon Dieu si élevé, David joue un moyen pour le relever le berger. Berger, prends soin mouton. Berger, nettoyer mouton. Berger, protéger mouton. Berger, coucher enragé avec mouton. Berger, gen sent mouton. Berger, pas gen sent oua. Li pas gen rad oua. C'est lui mon Dieu, ma. C'est mon Dieu ça. C'est lui ma servi. C'est mon Dieu ça. M'a adoré. C'est mon Dieu ça. M'a élevé. Et David déclaré l'éternel est mon berger. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, salut. Nous disons bon Dieu merci parce que le projet que nous tous avons espéré est finalement arrivé. Côté nous avons commencé à mettre des messages sous page nous qu'on est capable de visualiser à dessein et selon horaire permet tout. Donc, nous avons commencé avec une série sur le psaume 23. Nous commençons aujourd'hui avec une série sur le psaume 23 et qui parlait nous de l'éternel comme berger. L'image du berger, c'est une image que David utilisait pour parler et démontrer comment bon Dieu n'a pas servi à. C'est un Dieu qui prend soin de nous, tel un berger prend soin de ses brebis. Donc, ou même qui t'a aimé découvrir, approfondir les mystères de ce psaume, nous encourager pour capable, eh bien, suivre série ça, partager-la avec nos amis, partager-la avec nos familles, et la va pour lui-même certainement une source de grâce et de riche bénédiction. Nous souhaitons déjà bonne audition. Et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons commencé une série de sermons sur le psaume 23 and we will spend the rest of the year in that psalm. Psaume 23. Thank you, Lord. Thank you for this moment, Father. I honor you, Holy Spirit. I bless you, God. Thank you, Jesus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. D'après-midi, nous matin, n'a prêté seulement nan pati qui dit l'Éternel est mon berger. Dieu est la source de toute vie. Dieu est la source de toute vie. Quelle que soit sa forme, peu importe ses bornes, toute vie tire son origine de Dieu. La vie n'est pas facile à définir. Toutefois, les tendances scientifiques se convergent quant à ses différentes manifestations. Si le mystère de la vie est dans une certaine mesure saisissable, son auteur ne l'est pas toujours. Pour certains, Dieu n'existe pas. Pour d'autres, il est juste un concept, une entité métaphysique, mais pour David, il est un être bien réel. L'auteur du psaume 23 ne nous présente pas un créateur distant, un absentee landlord, comme disent les Américains, mais un Dieu puissant, présent et personnel. Nous débutons aujourd'hui une série de prédications sur le psaume 23. Et ce matin, je parlerai autour du thème « I have a shepherd ». Le 23e psaume figure parmi les passages les plus connus de la Bible.
Des livres sont écrits à partir du psaume. Il est mis en chanson et à l'écran. Il inspire les poètes et les peintres. Vient alors la question, qu'est-ce qui fait sa notoriété, qui le fait émerger de la masse des textes bibliques? Willie Shotroff avance que cette notoriété s'explique en raison de son message autant que son langage. Je reprends. Willie Shotroff avance que cette notoriété s'explique en raison de son message autant que son langage. Le langage du texte conserve une immédiateté et une fraîcheur étonnante. L'auteur parle des rapports de l'individu avec Dieu qui n'a pas besoin de grandes explications. Ce n'est pas principalement avec l'intelligence qu'on comprend Dieu ou qu'on comprend le psaume, mais avec le cœur. Au psaume 23, David parle notre langage. Il exprime nos besoins. Quand David parle au psaume 23, il n'est pas seulement à parler pour tête, mais à parler pour toute l'humanité. Il parle notre langage et il exprime nos besoins. Le psaume 23 est parfois appelé le psaume du sanctuaire. Ainsi dit pour parler de l'âme qui vit près du Seigneur, qui jouit de sa bonté, de ses soins, mais qui par-dessus tout discerne le donateur au travers de ses dons et apprend ainsi ce qu'il est pour ses brebis. Il est également appelé le psaume du voyage parce qu'il fait apparaître la métaphore implicite de la vie comme un cheminement du berger qui fait ses brebis traverser le désert affreux de la vie et de l'existence. Yon l'autre appellation, yorelel également le psaume du divin berger. L'image du Dieu berger n'est pas nouveau dans le texte biblique. Elle apparaît pour la première fois en Genèse 48, verset 15. Et depuis l'époque de David, nous la trouvons plus d'une fois dans la Bible hébraïque, notamment en Psaume 28, verset 7, Psaume 80, verset 1, Ésaïe 40, verset 11, Ézéchiel 34, verset 13 et Michée 7, verset 14. Mais au Psaume 23, l'état semblait expression Dieu berger a sonné pi bien, sonné pi fort, sonné pi éclatant. Stay with me now. On a besoin de comprendre que l'expression berger ou le travail du berger en Israël et dans les sociétés orientales, ce n'est pas un travail qui est considéré tant qu'un gros bagage. En fait, c'est un travail qui est estimé qui parmi travail qui est plus bas que monde capable de professer. Dans les familles orientales, tâche ça, li réservé à moun yo embauché ou bien à moun qui pipiti nan kaela. Ou ap comprendre pour qui raison David était berger parce qu'il était le dernier de la famille et généralement c'est ton travail yo bay pour pipiti a fait. Tout moun connaît que nos kay et dans la vie, de travail moun par en effet parce que yo estime travail sa bas. Dans toute société, dans toute ethnie, de travail yo pa ba importance, de travail yo pa ba valeur. Bien qu'on dit, il n'y a pas de ce métier, mais la réalité est que de travail moun considéré comme bas et de la culture de l'époque, travail BGA, c'était yon nan yo. Il me posait tête mes questions. Quand David joue à causer ça, l'Éternel est mon berger. Ou t'as attendu que papa bon Dieu réagit en façon drôle, bien que les rois de l'époque et se donnaient le titre de berger, c'était plutôt une appellation poétique plutôt que pratique. Mais David relait bon Dieu berger lui, et il t'assemblait que bon Dieu pas qu'un problème avec ça. The first lesson that I want to lift from the text is the condescension of God. Stay with me now. It is the condescension of God. Il n'y a pas ici que ce qui est dit. Il y a également de qui on le dit. Stay with me. It is not, we don't only have here what is said. We also have here whom it is said about. Comprenez que un berger sont personnes chargées de guider et de prendre soin des troupeaux, de moutons. Souvent, moun sa ou pas vivre avec moun, yo vivent en compagnie et généralement yo passent la nuit dans les champs. Yo pas exhaler l'odeur des parfumeries, mais la senteur de l'étable, l'odeur de la campagne. I could have understood it si David te dit mon Dieu is my king. I could have understood it si David te dit Dieu
Dieu est mon conseiller. I could have understood it si David t'a dit Dieu est mon mentor. I could have understood it si David t'a même allait dire mon Dieu is my friend. But to say that God is my shepherd and for God to say nothing about it talks to me about the condescension of God. Comment on mon Dieu si élevé David joue un moyen pour le berger. Berger, prends soin mouton. Berger, nettoyer mouton. Berger, protéger mouton. Berger, coucher un rage avec mouton. Berger, gué sent mouton. Berger, pas gué sent oua. Li pas gué rad oua. Li pas gué prestige oua. Li pas gué force oua. Li pas gué grandeur oua. Et yep, David relè bon Dieu. My shepherd. Et bon Dieu d'accord. That tells me something about the condescension of God. Bon Dieu n'a servi à bien-aimé. Ce bon Dieu qui pas de problème pour le descendre, pour le prendre soin petit lit. Bon Dieu n'a servi à. Ce bon Dieu qui pas de problème pour le descendre dans la boue, pour le descendre dans la rage, pour le descendre dans la rac là, pour le descendre dans la mi-temps-nuit là. C'est pas un bon Dieu qui seulement reste en l'air, mais son bon Dieu également qui descend en bas. Il me dit, God, why do you have to come down so low? Et puis tout le bon Dieu dit, I come down so low to show you how low I'm willing to come. Just for you, my God. Quel monde qui peut comprendre ça m'a dit à là. Quel monde qui peut comprendre ça m'a parlé à là. Mais c'est là qu'on pose, ami. On s'amie qui vient avant tout bon vrai. S'amie qui vient avant tout bon vrai. Il pas besoin qu'on qui compte arrêter. Il pas besoin qu'on qui distance lié. Ou te mettre dans ton tunnel. Sac bien avant tout bon vrai. La vie noire dans tunnel là. La manger avant dans tunnel là. La dormir avant dans tunnel là. La jouer avant dans tunnel là. And God says, I come so low to show you how much you care, how much I care for you. Texte parle de la condescendance de Dieu. Oh mon Dieu, qui pape descend. Mais bagaille qui bon problème dans le texte là également. C'est nous. David utilisait pour parler de bon Dieu. David utilisait le mot Yahweh. C'est le tétagramme sacré. Quatre mots en quatre voyelles en hébreu. Quatre consonnes en hébreu. Yahweh, Haveh. C'est le nom que l'on ne prononce pas. C'est le nom que l'on ne dit pas. En fait, le juif pieux ne répète jamais le nom. Lorsque juif là a parlé de mon Dieu, l'Igrel Hachem, ce qui signifie le nom. Les bedouins du désert l'appellent celui qui n'a pas de nom. Donc c'est le nom de l'hymne de l'omniscience. C'est le nom de l'omniprésence. C'est le nom de l'omnipotence. C'est le nom de l'immutabilité. Because he is not limited in time, he is omnipresent. And because he is always present, he knows all things. And since he knows all things, nothing surprises him. My God, nothing pas rien qui surprend mon Dieu, non. Pas rien qui saisit. Nothing can stop him. Nothing can block him. Walls cannot stop him. Doors cannot block him. Rather cannot obstruct him. En réalité, leur pensée va barrer en bas. Li passe en l'air. Leur abdonne en l'air. Li passe en bas. Et mon Dieu, ça tellement grand. Li monte en l'air. Li passe en bas. Elle même passe en bas la terre. So, c'est mon Dieu ça. C'est lui mon Dieu. Ma. C'est mon Dieu ça. C'est lui ma servi. C'est mon Dieu ça. M'a adoré. C'est mon Dieu ça. M'a élevé. Et David déclaré. L'Éternel est mon berger. The first thing I see here
is the condescension of God. Oh mon Dieu descend. You know what? Sometimes, bon Dieu descend. You know that you don't deserve his descent. Li t'assemble le ou pensons au fait était plus sale. Li t'assemble le ou qu'on ont plus ma vérité là. Li t'assemble le ou pas une force même qui était. C'est le ça même bon Dieu prend plaisir pour descendre. Et me dit bon Dieu why? Pour qui raison descendre, l'aime pas mériter. Pour qui raison descendre, l'aime pas vol. Et puis tout bon Dieu dit, Johnson, m'pas descendre parce qu'on vole. M'pas descendre parce qu'on mérite. Même descendre parce que crazy about you, my God. Et puis tout m'tenne bon Dieu qui a dit au monde, m'fou pour vous. M'fou pour vous. Vos têtes. Dis vous dis ça. M'tenne bon Dieu qui a dit au monde, moi fou pour vous. Moi fou pour vous. Moi fou pour vous. M'enragez vous. M'crez vous. Pas occupé. Rien va changer l'amour. M'a toujours aimé. M'écris non. N'a pas même. M'écris non, non plein même. So, quel que soit ça me fait pour vous. M'pas fait parce qu'on vole. M'pas fait parce qu'on mérite. Mais m'fait pas grâce. M'fait parce que c'est mon Dieu. M'fait parce que m'a prié. M'fait pour la gloire de mon nom. So number one, we have the condescension of God. Oh mon Dieu qui descend pour nettoyer, pour laver, pour purifier, pour sabler, pour sanctifier. Oh mon Dieu qui descend pour protéger. So number one, we have the condescension of God. And number two, we have the contentment of men. Because le David dit ça, ou capable sentir yon contentement en de plume nan. Ou capable sentir yon fierté nan déclaration, nan l'enclan. David prend fierté pour dire, l'Éternel est mon berger. Maintenant, ça, on a besoin de comprendre qu'à l'époque de David, il y avait des lois et des divinités qui se réclamaient du titre de berger. Stay with me now. Bon, dis-le encore. On a besoin qu'on ait que dans le temps David là, t'es gagné des rois et t'es gagné également des divinités qui t'es déclaré que c'est berger. So David connaît des lois qui dit que c'est berger. David connaît des diables racial qui dit aux bergers. David connaît des démons qui dit aux bergers. Mais David connaît la différence entre le berger et le mercenaire. Le berger protège, le mercenaire détruit. Le berger aime, le mercenaire affilie. Le berger embrasse, le mercenaire repousse. Berger, lui connaît pour prendre soin bête là, mais mercenaire là, manger bête là. Et son bagage terrible pour un berger à manger pour un bobile. Si diable là fait mon avancer, c'est pour le casser couillot. Puis devant. So David, en deux textes là, l'impression pour les textes là, ou capable de sentir une polémique en deux textes là. Et David prend tant pour dire, je connais des gens qui ont l'autre berger. Je connais des gens qui ont gardien qui a veillé sur eux. Je connais des gens qui ont mouchoir rouge.
Je connais des gens qui croient en paix. But let me make it clear. Bon, rendez-nous clair pour nous. Berger Pam, non? C'est l'Éternel. Je connais des gens qui sont dans le ministère avec point. Je connais des gens qui sont dans le ministère qui sont dans la maçon loge. Je connais des gens qui sont dans le ministère qui sont dans les méchandelles. Je connais qui est dans le ministère, qui est dans le solo coton, mais qui t'aime déclarer ensemble avec David, berger Pamna, sauver Pamna, rédempteur Pamna, hey, mettre Pamna, l'Éternel. C'est nous. The Lord is my shepherd. David pas quitté nous dans doute quant à l'identité de son berger. Et le langage qu'il utilisait, c'est le langage de l'association et de l'identité. David uses the language of association and identity. You are who you are based on whose you are. Identité dépend de moun qui met toi. Qui est-ce qui met toi? Qui est-ce qui met toi? David, pas non passé, pas ou pas moi. Et remarquez bien, il utilisait le possessif mon. En d'autres termes, berger David là, ce n'est pas un berger prêté, mais son berger possédé. Berger David là, ce n'est pas un berger prêté, mais son berger possédé. C'est peut-être ça. Les papes disent non. L'Éternel est mon berger. So I talk to you, m'parle of the condescension of God. M'parle of the contentment of men. But there is one more thing I need to talk to you about. From m'parle of the comfort in conflict. Comfort in conflict. Ou connaît dans toute bête qui gagne, yon nan bête qui sans défense, c'est brebis. Mouton, pas même ka fon coup de patte, li pas même ka fon coup de tête, li pas même ka fon coup de griffe. Yon nan animal sans défense, c'est mouton. Et des fois, l'autre bête prend plaisir pour faire mouton mal. Ou tendez la fontaine qui dit un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la fée en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cet animal cruel. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Mais comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau, je tète encore ma mère. Si ce n'était pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelque des tiens. Car
car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des bois, le loup l'emporte et puis le mange sans une autre forme de procès. Et la morale de la fable est bien celle-ci. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà donc, mesdames, messieurs, la situation de l'agneau sans berger, la situation de l'agneau sans maître. N'importe loup paraît sous lit. Dévorer. N'importe loup paraît sous lit. L'imanger. Les sans défense. Les sans protection. C'est pas des loups. C'est pas des loups qui mangeaient brebis à Néa. C'est pas des brebis à Néa qui perdit la vie. En bas, mes loups méchants. Gayé perdit la vie. En bas, mes loups corona. Gayé perdit la vie. En bas, mes loups malfectés. Gayé perdit la vie. En bas, mes loups ou grands. Gayé perdit la vie. En bas, mes loups mambo. C'est pas des brebis à Néa qui perdit la vie. Oh. Mais quant à moi, l'Éternel est mon berger. What I want you to understand, c'est pas que loup n'est pas là, mais c'est que berger a la pirette. C'est pas que loup n'est pas présent, mais c'est que berger a omniprésent. C'est pas que loup n'est pas terrible, mais berger non. C'est terrible. C'est pas que loup pas attaqué, mais des j'aime non, puis méchant. Et puis tout me tendez celui qui dit, Seigneur, attaque mon qui attaque mieux par égoua. Vontex, dit Seigneur, par égoua pour moi, par égoua pour moi. Où t'es pareil en janvier, où t'es pareil en février, où t'es pareil en mars, où t'es pareil en avril, où t'es pareil en mai, où t'es pareil en juin, où t'es pareil en juillet, où t'es pareil en août, où t'es pareil en septembre, où t'es pareil en octobre, où t'es pareil en novembre, même en décembre. Parlez, 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 oh c'est... Hey! Parlez, 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 c'est où berger, c'est où pour parler, c'est où mettre moi, c'est où pour parler, c'est où sauver, c'est où pour parler, parler, parler. Bon texte, Kounia, si Seigneur parle, si Seigneur parle, parler, bon texte, Kounia, dis pas. Parler, Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous mandons pendant notre dernier mois, allez ça, pour parler, couillot pour nous, pour te parler, depuis l'année à commencer,
ou t'es paré, depuis tes plein naissance, c'est pas ailleurs. Ennemi a cherché tuer, l'a cherché dévorer, l'a cherché m'entangouer. Mais Seigneur, où dis-nous aujourd'hui, où s'éveiller, nous tendez, comme on descend, nous prend force. Et Seigneur, nous mandez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, donne-nous assurance. Nan konflik yo, nan problèm yo, nan troub yo, pare, koupou yon fami, pare, koupou yon zami, pare, koupou yon piti, pare, koupou yon madam, kelke swa kote, kou a soti, pare, au nom de Jésus, pare. Une dernière fois. Dans un monde où la raison est donnée au plus fort, au plus puissant, au plus influent, au plus connecté, au plus donné, au plus doué, au plus jeune. Bon Dieu dit, oh, don't worry. Don't worry about it. I am your shepherd. I am your shepherd. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne ses pour ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il protège ses brebis. Et bon Dieu a dit, oh, don't worry. Posez tête tout. Calmez-vous. Ou pas besoin de peur. Don't you worry. Oh God, I am your shepherd. I am your shepherd. I am your shepherd. Prends courage. You have a shepherd. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. On va le prier. On va le prier. On va le prier. M'bra le prier. Ou même qui gagne bon Dieu déjà. Kembe bon Dieu au plus fort. Peut-être que moun qui t'a des messages ça, qui a vivre dans la peur, dans l'inquiétude, de sa moun ka fait, de sa moun ka dit. Me senti pour me dire. Sous pas que Jésus, bah Jésus là vous je dis. Sous pas que Jésus, prends Jésus. Sous pas que Jésus, prends Jésus. Relais numéro sac sous écran. Vont un message, vont un texte. Dis pasteur, m'accepter, me voulez prendre Jésus. Prends Jésus. Voyez un texte. Voyez un nom. Voyez un numéro de téléphone. Et nous prions pour vous. Nous prions. Baissez tête au côté et à parler à mon Dieu.
Pas la bonne Dieu, pas la bonne Dieu. Pas la bonne Dieu, Koto Yanoke. Pas la bon Dieu, pas la bon Dieu, pas la bon Dieu. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment du côté et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions.